Cette vidéo est sponsorisée par Displate. Mais ce mur est vide! Est-ce que vous aussi vous êtes choqué par le pas de déco sur les murs de chez vous? Mais oui! Ne paniquez pas, nous pouvons vous aider. Grâce à Displate, vous pouvez habiller élégamment vos murs grâce à des posters métalliques. Ils possèdent une large gamme de choix couvrant de nombreuses licences comme Fallout, Magic, le Barça, Family Guy, Quake, Power Rangers, Pushin et des centaines d'autres. Si vous commandez maintenant, vous recevrez votre poster imprimé en Europe en 4 à 5 jours ouvrés, donc à temps pour Noël. Mais j'ai peur de faire des trous dans mon mur! Pas de panique, Displate peut vous aider. En effet, les posters Displate disposent d'un système de fixation simple et pratique. Placez cette plaque aimantée sur votre mur et voilà, vous pouvez dès à présent placer votre poster métallique pour illuminer la pièce. Mais il est trop petit! Arrête de crier! Displate peut encore t'aider! Il dispose en effet de 3 tailles de posters et tu peux même choisir un cadre! Le grand avantage de Displate, c'est l'étendue de leur proposition. Si t'es comme moi, tu peux afficher ton amour pour la culture pop, mais il y a aussi des posters d'animaux, de cuisine, de sport, même des designs abstraits! Vous y trouverez forcément votre bonheur! Et c'est une bonne alternative aux posters en toile ou sur papier, et c'est même moins cher puisque vous pouvez bénéficier d'une réduction en utilisant le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo, moins 23% pour un ou deux Displate, moins 29% si vous en prenez 3, comme ces 3 magnifiques posters du système solaire. Et en plus, si vous cliquez sur ce lien, vous soutenez la chaîne et ça fait de vous une meilleure personne. Ok, j'en fais peut-être un peu trop. Soutenez Link the Sun et soutenez vos murs. Allez voir Displate. Bonjour, bonsoir à tous, et j'aimerais ouvrir une parenthèse. Ils sont partout dans nos villes, dans nos campagnes, sur les réseaux sociaux, les personnages. Qu'ils soient des maelstroms d'idées à l'architecture complexe ou une forme géométrique, je te regarde, Pac-Man. Qu'ils soient juste un trait de caractère ou juste une phrase d'accroche, qu'ils soient une idée ou un outil de l'intrigue, qu'ils soient bons, mauvais, loyaux, chaotiques, les personnages sont le cœur vivant de toutes nos histoires préférées. La littérature a ses personnages cultes, le jeu vidéo aussi, la bande dessinée, les comics et les mangas aussi, mais quels sont les meilleurs personnages enfantés par le 7ème art? Qui sont ces entités qui ont vu le jour sur grand écran, modelés par la lumière et par le son? Et quels sont les meilleurs d'entre eux? J'en sais rien, j'ai pas vu tous les films, mais ça m'a pas empêché d'en faire un top 20. Voilà les 20 meilleurs personnages du cinéma. Attention, on parle de personnages nés au cinéma, donc les personnages qui existaient avant sur un autre média et ne comptent pas pour cette vidéo. Je sais pas pourquoi je fais cet accent. Si je vous dis qui est le tueur dans la saga Scream, vous allez me dire, c'est Ghostface. Ou le tueur au masque, si vous connaissez pas son nom. Mais si je vous demande, qui est Ghostface? Oui, c'est le tueur dans la saga... Arrêtez de vous foutre de ma gueule! Là où je veux en venir, c'est que Ghostface a été l'identité de 7 personnages différents, et ce chiffre ne sera plus à jour dans quelques mois. Donc vraiment, Ghostface n'est qu'un costume avec un masque caractéristique, mais c'est aussi l'incarnation de la menace qui pèse sur la ville fictive de Woodsboro. Frank Drebin. Ah là là, et il tord déjà sa propre règle. Frank Drebin est apparu à la télévision avant le cinéma, erreur technique du joueur breton qui pourrait lui coûter le pouce bleu. Oui, techniquement il est né dans une série, mais techniquement une série c'est déjà du cinéma. Le lieutenant des forces spéciales Frank Drebin au centre de la trilogie des Y a-t-il un flic? Drebin est un savant mélange de catastrophes ambulantes, de chances insolentes et d'incapacité à comprendre le second degré. Ou n'importe quel degré, vraiment. Vous avez son signalement? Oui, caucasien, avec une moustache, environ 1m83. C'est une très grosse moustache. Il n'y aura pas beaucoup de femmes dans ce top, malheureusement, il n'y aura pas beaucoup de films français dans ce top, mais je devais mettre Amélie Poulain. Elle irradie de bonté et de générosité simple au cœur de Montmartre, mais sans être débile ou passive. Au contraire, c'est une marionnettiste qui joue des autres personnages, mais pour leur bonheur. Parce que si Amélie avait versé dans le côté obscur, je peux vous dire que James Bond s'y serait cassé les dents. Ah, James Bond est un personnage de roman, à la base. Ouais, je sais. Dans les années 90, est sorti un film. Un film dont j'aimerais vous parler. Ce film s'appelait Le Big Lebowski. Du moins, c'est le nom que les réalisateurs donnèrent au film. Le personnage préférait s'appeler autrement. Ce Lebowski, il se faisait appeler le Dude. Le Dude, c'est pas un nom que des gens se donneraient à eux-mêmes par chez moi, mais là encore, il y a plein de choses qui n'ont aucun sens chez le Dude. Parce que parfois, il y a un gars, je vais pas dire un héros, parce que c'est quoi un héros?
Non, parfois il y a un gars, et je parle du dude là, parfois il y a un gars, il est au bon endroit, au bon moment, il est pile à sa place. Et ça c'est le dude à Los Angeles. Parce que parfois il y a un gars, parfois il y a un gars. Et je sais plus du tout ce que je voulais dire. Il y a de nombreuses figures de vengeance au cinéma, mais la plus sublime d'entre elles, c'est sans doute Oda Issou dans Oldboy, mais c'est un manga à la base et je dois respecter mes propres règles. La mariée dans Kill Bill! Pour moi, quand on dit personnage de cinéma, il y a quelque chose qui doit apparaître dans ta tête. Et un son, une réplique, un costume, une chorégraphie, un regard, une scène. La mariée, c'est un sabre jaune avec deux rayures noires tachées de sang. J'ai longtemps hésité pour cette entrée. Qui est le meilleur personnage entre le xénomorphe et Ellen Ripley? D'un côté, nous avons l'une des créatures les plus mythiques du cinéma, fruit de l'imagination de H.R. Giger et de Ridley Scott, le parfait prédateur, donc en termes de cinéma d'horreur, tu peux difficilement faire mieux. Mais en face, on a le fleuron de l'humanité, qui parvient à lui survivre, celle qui affronte la reine alien en combat singulier pour sauver une gamine, celle qui est prête à l'ultime sacrifice pour débarrasser le monde des xénomorphes. J'ai pas assez de temps pour dire à quel point Ellen Ripley est badass de chez badass. Ah là là, le mauvais cul. Badass. Vous voyez comme Ghostface est une légende dans le film, un personnage fictif dans la fiction, c'est un peu pareil pour Kaiser Soze dans Usual Suspects. C'est un génie criminel, calculateur et implacable qui a une aura légendaire et qui échappe toujours aux autorités. Et quand on se rend progressivement compte que Soze était sous leur nez et sous le nôtre pendant tout le film, juste comme ça, il disparaît. Spielberg est un réalisateur qui a plusieurs ambitions. Nous rappeler de nous méfier des vélociraptors, plomber toutes les plages du monde, mais aussi nous apprendre que les extraterrestres peuvent être gentils et même adorables avec E.T. C'est quand même un peu miraculeux que ce personnage soit aussi culte parce que... Je veux dire... Il s'appelle E.T. parce que c'est un extraterrestre. Comment s'appelle ton protagoniste? Il s'appelle P. T'es un putain de génie, Didier! Vous savez ce qui rend le personnage de Jack Skellington génial, au-delà du fait que le personnage est effectivement génial, c'est qu'il a un arc narratif assez original. Au début du film, Jack est comme tous les protagonistes Disney, sa vie est bien, mais il ne connaît que ça et il veut partir à l'aventure, découvrir le monde. Bonjour Ariel, Jasmine, Quasimodo, Vaiana, Jim, Taram et bien sûr Satan. Mais contrairement à tous ces personnages, Jack se rend compte qu'il était entier depuis le début et qu'il ne le savait pas. Et en même temps, à quoi bon Noël ? Quand tu es déjà le roi des citrouilles. Il aurait été plus haut s'il ne m'évoquait pas beaucoup un autre personnage de ce top, le T-800 dans Terminator. Une machine envoyée du futur pour tuer le futur, plus ou moins. L'accent bizarre d'Arnold « Put the cookie down » Schwarzenegger, son physique impressionnant, son jeu qui évoque plus une machine qu'un homme, tout contribue à donner au T-800 cet aspect mécanique et inéluctable, mais presque humain. La littérature a son lot de créatures cauchemardesques. Le grand méchant loup, Dracula, Iago, Lady Macbeth, Alec d'Orberville, la méchante reine, Heathcliff, la marquise de Merteuil et, bien sûr, Satan. Mais le cinéma a largement de quoi se défendre et je prendrai comme exemple Freddy Krueger. D'abord, il a un aspect iconique, le chapeau, le pull à rayures, la tronche qui ressemble à l'aligot, les griffes, mais surtout, il a un modus operandi auquel seul le cinéma peut faire justice, il tue dans les rêves. Avec ce potentiel de dingue, je comprends pas qu'on n'ait qu'un seul très bon film, Les Griffes de la Nuit. La prophétie a annoncé l'avènement de l'élu, et cet élu, c'est Harry Potter. Ouais, les élus, ou The One, en anglais, il y en a une sacrée pelletée, et on pourrait dire que s'il y a plus d'un One, ou de Chosen One, ça perd un peu de son intérêt. C'est pour ça que le personnage de Neo est génial. Il y a un One dans chaque reboot de la Matrice, il est programmé dans la Matrice. Neo n'est donc qu'un élu de la prophétie parmi d'autres. Son nom est carrément une anagramme de One. Mais Neo est surtout le premier à ne pas faire
ce que les machines attendent de lui. Il est le premier One à ne pas se comporter en tant que tel. Et du coup, quand tu es le seul One à ne pas te comporter en One, est-ce que tu deviens un minus One? Un point One? Un tout? Ou alors tu deviens juste Neo? Il y a peu de personnages qui crient autant cinéma qu'Indiana Jones. Je veux dire, tu dis Indiana Jones et t'as le costume, la musique dans la tête, tu sais vers quel genre d'aventure tu te diriges, tintalintin, tintatin. Et exactement les mêmes remarques, mais dans un autre registre, avec l'homme sans nom, le personnage de Clint Eastwood dans la trilogie des dollars. Qui est rétroactivement devenu un homme sans nom, parce que dans Pour une poignée de dollars, il s'appelle Joe, mais bon, c'est un détail. Ce personnage est pratiquement le visage du western spaghetti, et pareil, t'as le costume, t'as la musique, t'as l'ambiance, à la seule évocation du personnage. Parlant d'avoir la musique, on va faire un bond dans le temps jusqu'en 1931. Souvenez-vous... Non, vous souvenez pas, non. Mais à l'époque, le son commençait timidement à trouver sa place dans le cinéma, et Fritz Lang a l'idée d'adapter un procédé musical à son film M le Maudit, le leitmotiv. Quand Hans Beckert, pédophile et tueur d'enfants, kidnappe un pauvre gamin, il sifflote toujours le même air. Attention les oreilles. Bon, dans le hall du roi de la montagne de d'Edvard Grieg, ce sifflotement fait froid dans le dos. Et ce n'est qu'une des raisons qui font de M l'un des meilleurs personnages du cinéma. L'un des thèmes les plus importants des anciennes tragédies grecques est l'inextricabilité du destin. Et la meilleure incarnation de ça au cinéma, pour moi, c'est Michael Myers, le tueur de Halloween. Il porte un masque parce que la mort n'a pas de visage. Il a un gros couteau parce que la mort a un énorme p***. Et on ne peut ni l'arrêter, ni le ralentir, ni le tuer, parce qu'on n'échappe pas au destin. Myers est tout à la fois le destin, la mort, le mal et le patriarcat, avec un masque du capitaine Kirk. J'ai beaucoup hésité, mais je pense qu'on peut considérer que Maléfique est un personnage de cinéma avant tout. La Belle au bois dormant n'est pas une histoire de cinéma, mais il y a tellement de différences entre la méchante fée du conte et Maléfique qu'il me semble que c'est juste. Et puis Disney a tellement brillé quand il s'est agi d'utiliser les moyens de l'animation pour personnifier le mal, que ce soit avec la méchante reine, Monstro, le Seigneur des Ténèbres, Ursula et bien sûr Satan. Mais aucun d'entre eux n'est aussi cinématiquement fort, d'après moi, que Maléfique. Jusqu'à ce qu'il la ruine dans le remake en prise de vue réelle, bien sûr. Non mais je m'appelle Maléfique, mais... En fait, je suis gentil, je suis juste incomprise. Alors que ça coûtait rien de juste dire, je sais pas, peut-être à la base, c'est pas son vrai nom et qu'elle a... Mais repartons sur une créature 100% originale créée pour le grand écran en 1933, la 8e merveille du monde, le gorille géant préhistorique, Kong. Quand je vous disais que les personnages phares évoquent d'emblée quelque chose chez la plupart des gens, un gorille géant au sommet de l'Empire State Building, avec une blonde à la main, et je parle pas de la bière, c'est une image très solidement ancrée dans la culture collective. Mais peut-être que le premier personnage humain iconique de l'histoire du cinéma, c'est Charlot, le personnage anonyme récurrent du vagabond, créé et interprété par Charlie Chaplin dans La Ruée vers l'or, dans Le Cirque, dans Les Lumières dans la ville, Les Temps modernes, dans plein de films courts, entre autres. Le personnage a eu un tel impact qu'il est passé dans le langage courant en français. Un Charlot, ça vient de là. D'ailleurs, Adolf Hitler était un grand fan de Chaplin et il est possible qu'il se soit inspiré du look de Charlot pour sa moustache. Ça aurait sans doute été beaucoup plus compliqué de s'inspirer de King Kong, j'imagine. Ça aurait pu être Yoda, ça aurait pu être Obi-Wan Kenobi, ça aurait pu être Leia Organa, ou Han Solo, ou même l'Empereur Palpatine, mais pour ne pas inonder ce top de personnages de Star Wars, je n'ai dû me rabattre que sur un seul d'entre eux, et s'il n'y en a qu'un, ça ne peut être que lui. La respiration, le sabre laser rouge, évidemment la musique, pratiquement une de ses répliques sur quatre est devenue culte. Vador est également une fiction dans la fiction, le nom du bras armé de l'Empereur, qui fait trembler cette galaxie lointaine, très lointaine. Et d'après moi, le meilleur personnage créé pour le cinéma.
Mais toi, cher spectateur, chère spectatrice, quel est d'après toi le meilleur personnage du cinéma? Parce que ça ne t'aura pas échappé, j'ai une culture cinématographique très hollywoodienne. Donc, n'hésite pas à parler des personnages qui t'ont le plus marqué dans d'autres types de cinéma. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu en partant, de vous abonner si la vidéo vous a plu. Je referme la parenthèse, mais avant de nous quitter, je vous propose d'écouter les mentions honorables, qu'ils viennent du cinéma ou d'ailleurs, parce qu'il y en a plein et que ça m'a tortillé les berlingots de pas les mentionner, les grands personnages du 7ème art en musique. Gollum, Thanos, Dr Mabuse, Sherlock Holmes, Blanche-Neige, Monsieur Spock, Kermit la grenouille, John Merrick, Docteur d'Enferin, Tintin et le Joker, Ripley, la coccinelle, Jason Bourne. Capitaine Kirk, Iron Man, Forrest Gump, Wonder Woman, Hal 9000, Mary Poppins, Dirty Harry, Callahan, Gandalf, Voldemort, Alex Delarge, le Predator, et je vais compter Lex Luthor, mais surtout Superman. Les personnages de ciné, tu veux faire un top 20, tu en cites des milliers. Les personnages de ciné, et je sais ce que vous pensez, les greniers l'ont déjà fait. Hey, James Bond, Spider-Man, Robin des Bois, Famulan, Aragorn, Jack Burton, V, Babe, Shrek, Annie Wilkes, Legolas, Monsieur Gustave Fantomas, Willy Wonka, John McClane, Chucky, Patrick Bateman, Travis Bickle, Amy Dunn, Mr. Bean, Tyler Durden, Jack Sparrow, Buzz d'éclair, le requin dans les dents de la mer, Jack Torrance, Mr. Hyde, François Pignon, Carrie White, Corleone, Épée, Fils, Hubert Bonisseur de la Batte. Les personnages de ciné, tu veux faire un top 20, tu en cites des milliers. Les personnages de ciné, attendez une seconde, je crois que j'en ai oublié. Don Camillo et Zorro, Quasimodo, Chihiro, Doc Emmett, Brown, John Rambo et la mort dans le 7ème saut. L'homme invisible, Mercredi, le docteur Caligari, Atticus, Fitch, Rick Deckard, Redmar, Vandal, McMurphy, Captain America, Roy Batty, Hans Landa, Bill Le Boucher, Snake Plissken, Daniel Plainview, Andy Dufresne, Pinhead, Wolverine, Rocky, Katniss Everdeen, Bruce Wayne, la méchante reine et Reagan, pardon, Régine. Les personnages de ciné, je sais pas si j'ai le droit de parodier cette chanson. Les personnages de ciné, mais elle vaut bien une démonétisation. Ratchet, Schindler, Maria et Anton Chigurh, Conan, le barbare, Barbare et la lave-moire, Nosferatu, De Vito, Loki, Ludovic, Cruchot, Bilbo, Sauron, Gamgee, Frodo et tout le Seigneur des Anneaux. Hannibal, Jean-Luc Picard, la créature du lac noir, Montoya, Salander, Montana, Harry Potter, le fantôme de l'opéra, Godzilla, Ace Ventura, Belle, Antoine, Doinel, Ellie, Woody, Laurel et Hardy, la Syrexie, Alex Murphy, Norman, Dex, Max, Rokatansky, Peter, Vecman, Optimus Prime et Miranda Priestly, Mononoke, Tarzan, Groot, Eduardo, Main d'Argent, la méchante sorcière de l'Ouest et bien sûr Satan. Les personnages de cinéma, va falloir que j'arrête, c'est vraiment un enfer. Les personnages de ciné, si j'en ai oublié, lâchez vos commentaires. Charles Foster, Kane, Laurence d'Arabie, le colonel Kurtz, il n'y a plus de musique.